On va aller chercher des balles de golf, parce qu'on est des ramasseurs de balles de golf. J'ai rencontré Ellie et Jules qui m'ont emmené ramasser des balles avec eux et j'ai même pu voir leur atelier secret. Et c'est une dinguerie. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. Mais avant de vous montrer l'atelier, il faut aller récupérer les balles. Et ça va pas être de tout repos. On va remonter combien de balles là? On peut faire 5 ou 6 000. Alors on s'est équipé. Combinaison, bouteille, masque, bonnet rose. Bonnet rose? C'est pour que mes cheveux ils glissent quand je mets la cagoule. L'objectif, il ne doit plus rester aucune balle dans l'eau. Allez, on y va. On est vos bouteilles les gars. Plus quand ils me disent que je dois faire. On est parti pour plusieurs heures de ramassage. Et c'est un peu comme une chasse au trésor, sauf qu'on cherche pas de l'or mais des balles de golf. Bon après, selon la marque ou le modèle, elles peuvent quand même valoir plus ou moins cher. Ça c'est une tour préférée. On peut revendre 2,30€. On a fait ça pendant plusieurs heures dans le froid, sous la neige. La satisfaction, c'est ouf parce que même là je sens que je marche sur des balles en fait. Ça paraissait interminable. Ça fait 4 fois qu'on vient, on n'arrive pas à le vider, on comprend pas. Mais il fallait rentrer et ramener nos balles à l'atelier. Et je crois que j'étais pas prêt à avoir autant de balles. C'est là où on stocke toutes nos balles après les avoir ramassées.